salut tout le monde. Alors là, je suis à Gdang Sultan et ce que vous voyez au-dessus, c'est une église où en fait on peut avoir un point de vue sur Gdansk et du coup je vais vous emmener là-dedans. Donc il y aura 4 étages à monter. Du coup, c'est parti. L'intérieur de la cathédrale de Gdansk. Et du coup, le premier truc que je remarque, c'est que c'est super blanc. Voilà. Donc, voilà, je crois que c'est une des premières fois que je vois une cathédrale où il y a tout qui est peint en blanc. Et du coup, dit qu'il y a de la saleté, on le voit, quoi. On est en train de monter les escaliers. How much stairs there? I think around 400. 400 marches d'escalier pour voir cette vue. How are you girls? Not so good in this moment. You want to die? Maybe tomorrow. Bon, si je peux vous donner un conseil, c'est de faire ces marches le matin, pas après avoir mangé, parce que on vient de faire ça après avoir mangé, c'est la pire des idées qu'on ait eues. C'est parti. 170 marches, allez, c'est parti. Et encore tout ça. Oh, ça se finit pas. Voilà, on est à Gdansk, Holton. On peut voir la grande roue et tout le district de Holton. Voilà. Et en fait, de l'autre côté, je peux vous montrer deux choses, les deux musées à aller voir à Gdansk Sultan. Donc le musée à propos de la Seconde Guerre mondiale qui est juste là. Voilà, il est tout nouveau, il vient d'ouvrir ses portes, etc. Et le deuxième, il est Solidarité. Donc vous voyez l'église. Attends, je vois rien du tout. Ah, elle est où l'église? La Dame Mercure Hotel, donc l'église elle est là et elle me disait que c'était là-dedans qu'il y avait le musée Solidaria. Moi je l'ai jamais vu, il faut que j'aille le voir et là-bas il y a la grande forêt. Voilà, donc venez pour aller voir le point de vue de Gdansk qui est assez énorme quand même. Bon, sur ce je vous laisse. Salut!